Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on vous parle d'un comics et pas des moindres, puisqu'on va parler du bateau du Batman. Batman, Cité brisée, d'Eduardo Risso et de Brian Azzarello. Voilà, Batman, Cité brisée, dans la collection DC Comics, la légende de Batman. Il faut savoir qu'il existe aussi sous un autre tome chez Urban. Je vous mettrai le prix plutôt de ce tome-là. Oui, oui, alors, c'est... Je crois qu'il y a du Flashpoint, si je dis pas de conneries, dedans. Oui, il y a du, d'autres récits, il y a du Flashpoint. Il y a du noir et blanc, et il y a du coup Cité brisée, dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Attends. Alors, le pitch. Qu'est-ce que c'est, le pitch? Alors, en fait, pour la petite histoire, Batman enquête sur... Enfin, on lui demande d'enquêter, je crois que c'est Gordon qui lui demande d'enquêter, sur une femme qui s'est fait tuer. Qui s'est fait tuer. Et il commence, je crois, par choper Killer Croc. Et donc, on lui demande ensuite d'enquêter sur cette dame qui est décédée. Et du coup, il recherche, si je dis pas de conneries, son frère... qui était la dernière personne avec qui il était. Il vient rencontrer la demoiselle qui est avec ce gars-là. Putain, je me souviens plus du tout comment il s'appelle, le gars. C'est pas Lupo. C'est un truc comme ça, je me rappelle plus. Et bien, pour les besoins d'émission, nous l'appellerons Lupo. Mais je crois que c'est... Comme la Volkswagen, Lupo. Et donc Lupo a une sœur qui s'est fait buter, Lupo a une nana avec qui il était, et Lupo est introuvable. Donc Batman le cherche. Et pour le retrouver, il met la pression à tout le monde. Mais genre à tout le monde, à tout Gotham. Et donc, Et il va mettre les vilains et toutes les petites frappes de Gotham sur le dos de ce gars-là, parce qu'il s'est fait pas une raison personnelle, mais une... Il en fait une affaire personnelle. Il en fait une affaire personnelle, voilà. Et il veut y trouver. D'autant plus qu'il est confronté à un genou qui vient de se faire tuer ses parents. Du coup, forcément, il s'identifie au truc. Oui, forcément. Et donc, voilà. Par contre, j'ai... Est-ce que ça a une... Je me souviens plus s'il y a un lien avec l'affaire ou pas du tout. Je crois pas qu'il y ait vraiment de lien avec l'affaire. Non. Je crois vraiment que c'est un truc qui... Et du coup, qui le poursuit tout au long de cette affaire-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est quelque chose qui fait très peu de pages. Hein, qui fait quoi? 5 numéros? 5 numéros, je crois. Bah, attends, 620 à 625. 6 numéros. Donc voilà. 120 pages, un truc comme ça. Hein, ouais, 130 pages. On est sur du dessin Eduardo Risso. Pour la première fois, je me suis rendu compte à quel point, à certains égards, il y avait des similitudes. Alors, je parle pas de la colo, hein, mais avec le dessin de Miller. Ah oui, bien sûr, oui, c'est ça. Alors, j'avais déjà remarqué, mais je trouve particulièrement dans celui-là. Oui. Et j'ai... Notamment dans le jeu des ombres. J'ai trouvé dans le jeu des ombres. Non, mais même dans les Godas, par exemple. Oui. Dans les angles, les très, très anguleux des trucs, je m'étais jamais rendu compte à ce point qu'il y avait quelque chose. J'ai détesté ce bouquin. Tout n'est pas acheté, hein, bien entendu. Je comprends tout à fait qu'on aime bien. J'ai adoré certains aspects. Je trouve que c'est pas assez efficace, justement. On est beaucoup sur le... Je dis souvent que Killing Joke, par exemple, je comprends qu'on puisse ne pas aimer, mais je comprends pas qu'on ne puisse pas reconnaître l'efficacité du titre. Et c'est exact. Je trouve qu'il n'y a rien de trop dans Killing Joke. C'est vrai. Tout ce qui est dit en très peu de pages, c'est juste ouf. Et là, je trouve que ça blablate un peu pour rien dire. Ouais. Il ne se passe pas grand-chose. Je trouve que cette ambiance bas-fond de la ville Sin City, pour reprendre ce que je disais sur Miller, ça pue le Sin City sur certaines planches et sur certains dialogues, notamment avec Mais là, on a du Miller. De toute façon, la nana de Lupo, ça pue le Miller, quoi. C'est un truc de ouf. De toute façon, ça... tout à fait. Ça pue le Miller, et cette ambiance-là, moi, j'aime beaucoup. Commençons par les trucs qui, pour moi, sont bien. Ça,
le fait effectivement de toute son introspection et toute sa construction, sa déconstruction sur ses parents morts dans Gotham, tout ça, son lien par rapport à ça et au crime en général, j'ai adoré. Le fait qu'on revoie, qu'on comprenne sa culpabilité par rapport à la mort de ses parents, tout ça, ça, ce côté-là, mais bien sûr, ça, j'ai kiffé. Mais le Batman a des réactions que j'ai détestées. C'est-à-dire que il n'est pas impitoyable, il est sadique. Moi, il y a plusieurs fois où il rigole de faire mal ou de torturer, et c'est pas du tout le Batman que j'aime, quoi. Je l'ai trouvé... sadique, mais sadique dans le sens sale. Il m'apparaissait, c'est même pas démoniaque, c'est pervers, quoi, tu vois, à prendre du plaisir dans la torture, quoi. Moi, ce côté-là, j'ai pas du tout. Je trouvais ça malaisant, moi. Complètement. Je trouvais ça malaisant, mais ça m'a pas détesté. J'ai pas détesté parce que j'ai trouvé que ça. Bon, je dis pas que tu l'as pas compris, non, ça, mais j'ai trouvé que ça servait le propos, justement, le fait qu'il se pose des questions sur sa présence à Gotham, sur sa culpabilité par rapport à la mort de ses parents, sur sa culpabilité par rapport à la mort des parents du jeune homme dont on parlait tout à l'heure, et puis sur le fait que les super-vilains, ou les vilains tout du moins de Gotham, ils subsistent, ils sont toujours là et qui sévissent, et ils se disent, je vais me battre avec leurs armes. En fait, il essaie de comprendre qui il est, son utilité, comme beaucoup de fois Batman le fait dans les récits, mais là, c'est... Je suis totalement d'accord avec toi, le côté sadique, le côté pervers. Et je trouve que c'est... T'as l'impression qu'il n'a pas de limite. Oui, bah c'est parce qu'à un moment donné, il le dit, je crois. Il dit, mais il faut que j'arrête d'avoir des limites. Et à un moment donné, tu crois même qu'il va tuer quelqu'un. Mm-hmm. Tu te dis qu'il a là, ça y est, son ultime limite, sa limite absolue qu'il veut infranchissable, il va la franchir, il va la dépasser. Et on ne vous spoile pas en vous disant qu'il ne le fait pas, parce que, enfin qu'il ne la franchit pas, cette limite, parce que c'est Batman. Mais moi, je dis pas que j'ai pas, je dirais pas que j'ai détesté le titre parce que c'est pas vrai. Mais c'est pas un titre qui restera dans les annales. Mais déjà parce que c'est beaucoup trop gros. Et... je pensais que t'allais pas la faire. Je me suis dit allez, je continue. Et mais je t'ai laissé une porte et. Mais je pense vraiment que moi j'ai pas adhéré au titre parce que c'est pas le Batman que j'aime vraiment. Le côté sadique, je veux dire, il y a un moment donné, je sais pas si je vais retrouver les cases, mais il y a des moments où un petit rictus, ouais, et au début, tu le vois dans l'ombre. Tu l'as au tout début avec Killer Croc là. Par exemple, ouais, je sais pas si. Là. Tu vois, t'as le parallèle avec le rictus de Killer Croc ici. Mais même, et plusieurs fois, il fait des vannes ou des punchlines qui tournent autour du plaisir qu'il prend sur la torture. Et moi, j'ai pas du tout adhéré au truc. Et je trouve que. Comme beaucoup de titres d'ailleurs de Batman, il est faussement détective. Oui. C'est-à-dire qu'on lui prête des intentions de détective, alors que clairement, l'enquête est pas folle. Hein. Enfin, je veux dire, ça va pas non plus chercher non, hyper c'est loin, clair. Quoi. Enfin, et il y a pas d'indices ou de trucs qui. Enfin, c'est juste de la pression qu'il met à tout le monde finalement. Et par contre, j'ai adoré le fait qu'on voit Killer Croc, qu'on voit pas assez à mon goût dans les bouquins. J'ai adoré qu'on voit comment il s'appelle Scarface, que j'adorais moi dans ce personnage. Je trouve que c'est super chouette. Et d'ailleurs qu'on voit, c'est ça, il s'appelle Lupo, putain, je me souvenais bien. Et c'est pareil, Scarface et le mec qui le pilote, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais j'ai bien aimé forcément la dualité entre les deux et le fait que d'habitude le mec qui pilote Scarface est un peu effacé du coup derrière son entité maléfique finalement et là pas du tout, il a vraiment un rôle dans le truc, bien sûr, et du coup ça marche. Donc totalement, tout n'est pas acheté, il y a vraiment des trucs que j'ai bien aimé. C'est ce que je veux dire, c'est le Batman, je l'ai détesté, quoi. Ouais, je c'est vraiment ce pas un, pas un truc que j'ai kiffé, mais après lecture rapide, sympathique. Ouais, parce que t'as un dessin, graphiquement, ça fait le taf. Puis moi, ce côté Batman, c'est pas le Batman qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'ai bien aimé, justement, même si le côté sadique, pervers, parfois, ouais, c'était malaisant. Tu te dis, c'est plus Batman, quoi, parce que Batman, il a quand même un minimum de compassion, même si pour ses ennemis. Et puis bon... C'est parce que il est là aussi, parce qu'il y a... Enfin, comment dire,
il subsiste parce qu'il, enfin, il existe parce qu'il y a ses ennemis. Mais c'est tout la, tout, toute la raison justement de ce comics, de Cité Brisée, c'est de savoir, est-ce si j'étais pas là, est-ce qu'il y aurait tous ces ennemis. Et ça, ça apparaît souvent dans certains récits de Batman. Et ça que j'ai bien aimé dans ce titre. J'ai bien aimé, en fait, ça, c'est par moment, par séquence, qu'il y a des choses qui sont très bonnes. C'est pas tout du long. C'est-à-dire qu'il y a des titres de Batman, comme on a pu en parler, comme Batman Année 1 ou Halloween, où tout est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à acheter. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est par séquence. C'est-à-dire qu'il y a des fulgurances. Ah oui, ça, je suis d'accord. Et puis, paf, ça, le soufflet retombe à un moment donné. Alors que tu avais un potentiel de ouf sur une séquence qui aurait pu être développé ou qu'on aurait pu se poursuivre. Et là, c'est un peu dommage. Mais après, moi, j'ai envie de dire, on est habitué à ça avec Azzarello, malheureusement. Ouais, parce qu'Azzarello, on en a fait tout un foin. On dit Azzarello, super scénariste, c'est génial et tout. Putain, c'est frustrant parce que ce qu'il a fait avec Joker, ce qu'il a fait avec Batman Damned... C'est un peu ça le truc, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Il y en a des très bons et des carrément moins bons. Exactement. Et c'est les extrêmes en fait à chaque fois. Mais j'aime pas juste milieu. J'aime beaucoup plus Risso. Risso est le scénariste. J'ai pas dit Rousseau tout à l'heure. Bon bref. En tout cas. Denis Rousseau. J'aime beaucoup mieux le dessinateur par exemple avec Paul Dini. Oui, tout à fait. On avait eu une histoire vraie. Ouh là là. J'avais surkiffé et. Mais ouais, alors est-ce que je le conseille clairement si vous aimez le Batman détective, si vous aimez le Batman en retenue, mais encore une fois moi le Batman action, le Batman qui pète des gueules, ça me dérange absolument pas. Mais là il y a un côté sadique, un côté malaisant qui me dérange vraiment quoi. Un côté je vois ce que tu veux dire. Un côté Batman est vraiment pas sain quoi. Il y a un truc qui... Ouais. Non, mais après... Je le conseillerais quand même, parce que ça reste une bonne histoire de Batman, pour ceux qui aiment bien ce personnage. Ça se lit vite. On passe un bon moment quand même, même si forcément, les côtés malaisants, malsains... Moi, je le conseillerais surtout à ceux qui veulent en savoir plus sur la mort de ses parents, en fait. Tout à fait. Sur ce qu'il a, comment il a... L'impact et le ressenti qu'il a pu avoir. En quoi il se sent responsable. Et la culpabilité qu'il a pu avoir. Parce que là, pour le coup, on a une vraie raison de sa culpabilité. Exactement. On comprend vraiment pourquoi il culpabilise. Et pour... ça, j'ai adoré, par contre, en tant que père. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu cette situation. Mais en tant que papa. Mais ce côté, tu te prends la tête... Avec ta fille ou ton fils, tu sais tout à fait que... comment dire? Que... Oh, je sais pas comment expliquer, mais... Tu te prends la tête alors que t'as pas envie de te prendre la tête. T'as envie de... T'as envie que ça se passe bien et c'est obligé que ça se passe mal. Un peu comme quand t'es obligé de la réprimander parce que elle a fait quelque chose de mal. Tu joues ton rôle de père... Mais je vois ce que tu veux dire. Et il y a un côté rancunier, c'est-à-dire que même quand t'es gamin, tu vois, pour tenir tête ou pour tu dis des choses que tu penses pas. Et si, comme ce qui est le cas là, il se passe quelque chose après, moi ça j'y ai déjà pensé par exemple, par rapport à mes enfants, par rapport à ma femme. Par rapport à moi c'est surtout par rapport à ma femme parce que mes enfants ils sont ma fille a 3 ans donc on n'a pas trop l'occasion de se prendre la tête pour l'instant. Même par rapport moi je pense à par rapport à ma mère surtout parce que moi qui ai perdu mon père. C'est ça. Moi à chaque fois là ça fait alors je vais raconter ma vie mais ça rejoint ce que tu dis parce que tout à fait d'accord. Ce que tu dis moi ma mère elle habite alors nous on habite en Picardie et moi je suis originaire de l'ouest de la France et ma mère donc habite à côté d'Angers et donc on la voit pas je la vois pas souvent. Et elle commence à prendre de l'âge, ma mère, elle a 67 ans, bientôt 68, même si c'est encore jeune de nos jours, ça commence à taper. Et je me suis surpris de ma réaction quand les trois dernières fois qu'elle est venue chez moi, et ben les trois dernières fois où elle est partie, ben, j'ai chialé. Ouais, non mais... Et là, ce matin, en venant chez toi, j'ai écouté à la radio... c'était Patrick Timsit qui parlait de sa mère et qui parlait du livre d'Albert Cohen, Lettre à ma mère ou Livre à ma mère. Et ben j'ai chialé dans la voiture parce que je me suis dit ma mère, j'ai un rapport particulier avec ma mère, conflictuel, ça a été conflictuel, etc. Et je me dis à chaque fois qu'elle vient, je vais essayer d'être cool
de faire attention à elle, de pas me prendre la tête avec elle, parce que je me dis, si jamais elle part, elle s'en va, et que c'est la dernière fois que je la vois... Oui, c'est, moi, c'est exactement ça. Je me dis, putain, je vais m'en vouloir toute ma vie. Quoi. Moi, avec mes frères et sœurs, avec mes proches, et plus je vieillis, et je pense que ça... Et c'est là où je me rends compte que je l'aime. À la folie, quoi. Mais c'est plus... tu te prends la tête, tu t'engueules avec, tu sais jamais ce qui peut se passer. C'est clair. Et se terminer même la... de toi tu peux, clencher et calencher terminer là-dessus, quoi. Terminer la vie là-dessus, ouais, c'est... Punaise. Ouais, oui. Et pour revenir à ça, c'est exactement pareil que le il y a des fois où, bah, effectivement, avec ma fille, parce que mon rôle de papa, je me prends la tête avec elle, et puis ça finit par je l'engueule et maintenant tu vas te coucher, et tu te dis, la vache, elle va rester avec ça, tu vois. Mais en même temps, tu ne peux pas. Je suis très à me prendre la tête avec quelqu'un, et deux secondes après, c'est fini. Mais tu peux pas faire ça avec quelqu'un qui a 9 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on s'est déjà pris la tête. Oui. Un quart d'heure plus tard, je te parle comme si de rien n'était. Non, mais on n'est pas. On arrive à ne pas être enfoui. Mais tu peux pas demander ça à une personne de 9 ans. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et tu peux pas changer du tout au tout en termes de personnalité parce que tu estimes que c'est bon et on passe à autre chose avec quelqu'un qui a 9 ans. C'est pas possible. Elle va se dire, il est complètement taré ce garçon, quoi. Et elle aura tout à fait raison. Et donc, quel est le lien avec. Donc, du coup. Effectivement, il y a ce côté Bruce Wayne gamin qui se prend la tête avec ses parents et qui avec son père, qui va rester là-dessus et que aussi, le quoi. Soir, la veille en fait. Non, mais là on spoil, fais gaffe. On ne spoil pas tout quand même. Non. Mais il meurt à la fin quand même, les parents de Bruce Wayne, tout le monde le sait. Non mais effectivement, ce que je veux dire c'est que Tu sais pas à 50 piges que les parents de Bruce Wayne sont morts, t'as raté. Ce que je veux dire c'est que les relations conflictuelles sont normales, mais quand il se passe un drame, ça scelle la relation. Et c'est pour ça que je parlais de ton père tout à l'heure, c'est que il y a plein de choses qui font que ça peut sceller une discussion, un sentiment, ou un ressentiment. Quand tu perds un proche, tu te souviens toute ta vie du dernier moment que tu as passé avec lui. Mais complètement. C'est bien ce que je te dis, donc il vaut mieux que tu sois un bon moment. Oui, bien sûr. Putain, et c'est... Moi, par exemple, mon grand-père, on raconte nos vies encore, mais mon grand-père, quand il est décédé 2 mois après la dernière fois que je l'ai vu, il était malade. Il était bouffi par la cortisone. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, il m'a pris la main, mais il m'a serré la main comme jamais il m'a serré la main. Il m'a fait, vous revenez vite me voir. Hein. Mmh. Et moi, au fond de moi, je savais que je ne le reverrais pas. Ah non, mais... Et maintenant, à chaque fois que j'y pense, je me rappelle de ce moment-là où mon grand-père, je le vois, il s'est totalement livré à moi-même. Parce que mon grand-père, c'était quand même le bonhomme, le pilier de la famille. Je ne montre pas mes sentiments, même si je vous aime, mes petits-enfants. Mais et puis là, il s'est totalement, c'est comme s'il était tout nu, quoi. Et je m'en souviendrai toute ma vie. C'était pas un mauvais moment, hein, au contraire. Mais voilà, c'est pour dire que pour refaire le lien avec si tu. Alors moi, mon grand-père, pour le coup, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et pour le coup, j'ai remis à plus tard, jusqu'à ce que c'est trop tard, possible. Et ça, c'est terrible. Bien sûr. Mais effectivement, on ne s'est pas quitté sur une... Mais je veux dire, moi, je me dis toujours... Je veux dire, puis après, on va arrêter là, parce que sinon, on va sortir les vidéos. Mais je veux dire, les couples... avec ma femme, forcément, comme dans tous les couples, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Tu te prends la tête, et je me dis que, putain, finir sur une prise de tête... Le pire, c'est... Alors, pour finir avec ça, le pire, c'est de partir au boulot le matin en séance. Putain, il se passe un truc, et... tu te dis, mais putain... Tu vis toute ta vie avec ça ? Ouais. Mais putain, c'est terrible. Comment tu peux te... Alors, tu y es pour rien, c'est normal. Mais comment tu peux te pardonner c'est quelque chose de terrible. Donc là, on est là-dedans. Tout ça pour dire que le meilleur moyen d'éviter cette situation, c'est d'éviter de se gonfler les choses. C'est pas facile tout le temps. Ce que je veux dire, c'était mon idée de départ. Plus je vieillis et plus je pense à ça, en fait. Moi aussi. Et plus je fais attention quand on se quitte pour faire de la route, quand on se quitte ou quand on va se coucher même. Tu vois, de pas rester là-dessus, de pas rester sur un truc, de pas aller se coucher en se faisant la gueule. Ma femme, elle a l'intelligence, elle a toujours eu cette intelligence depuis qu'on est ensemble.
quand on se prend la tête et qu'on doit partir après chacun de notre côté, de me dire, mais tu me fais un bisou quand même. Mm-hmm. Pour que ce soit le dernier moment avant qu'on soit... Tu vois. Et même si ça n'a pas réglé les choses. Tout ça pour dire, enfin, moi, ce que je pense, que Batman, il a ça de particulier, c'est que on peut tous s'identifier à la vie que Bruce Wayne a eue. Et c'est fou quand même de partir sur cette discussion. Non, mais c'est pas inintéressant, justement, parce que tous les récits de Batman que j'ai lus, toutes les séries sur Batman, il y a un truc où tu peux t'identifier, mais un truc fort, pas juste une relation lambda. Non, mais c'est très fort, Batman, je trouve que les... Ce que je veux dire, c'est que je préfère notre discussion au bouquin, en fait. Mais c'est pas faux. Non, mais... C'est, pour le coup... Mais il n'y a pas que Cité Brisée avec Batman, mais non, heureusement. En tout cas, que ce soit du Cité Brisée, du Joker, ou du comment ça s'appelle, du Batman Damned, de Bermejo, l'important, c'est de lire. Allez, ciao!